Les grottes de Sars sont un réseau de grottes qui étaient déjà habitées à l'époque préhistorique. Autrefois, les grottes étaient habitées par des ours des cavernes pour leur permettre d'hiberner en toute sécurité. Aujourd'hui, 13 espèces de chauves-souris habitent les grottes de Sars. Les plus anciens témoignages d'occupation humaine sont des grattoirs et des éclats datant d'au moins 45 000 ans. D'autres objets trouvés peuvent être retracés jusqu'à il y a environ 13 000 ans. À cette époque, les hommes du Pays basque chassaient le cerf et le bouquetin, qu'ils préparaient sur des foyers à même le sol. Au néolithique et à l'âge du bronze, les grottes de Sars ont été habitées par des agriculteurs et des éleveurs, comme en témoignent de nombreux fragments de céramique et d'os de bétail. Depuis le XXe siècle, des touristes ont commencé à visiter les grottes de Sars, comme nous. Et pour être impressionné par ce que la nature a créé ici, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste.